dans ma vie m'a prise de court. Tu m'as donné l'envie de croire à l'amour. Salut Margot. Salut. Alors dis-moi, Dio, t'es 21 ans, tu souffles un vent de jeunesse, de fraîcheur sur la scène française. Merci déjà. Ouais. Et ça fait surtout combien de temps que tu fais de la musique? Parce qu'à 21 ans, en être là, c'est quand même qu'il y a un background, j'imagine. Ouais, ça fait depuis toujours en fait. De la musique, j'ai fait le conservatoire quand j'étais jeune, du piano, de la chorale, mais vraiment pour le plaisir. Et puis être chanteuse, c'était plus un fantasme qu'un projet professionnel. Et tu te voyais juste jouer du piano à la maison? Je me voyais chanter, chanter sous la douche, à la chorale, je m'imaginais évidemment sur scène, mais jamais j'aurais cru que ça arriverait pour de vrai. Et en fait, il y a un an, j'ai rencontré Tristan. Qui compose, écrit, réalise. Et il y a eu une sorte de coup de cœur musical, enfin artistique et amical. Et du coup, depuis, en fait, on s'est pas lâché. On a écrit, composé et enregistré ensemble. Et nous voilà. Avril, t'es bélier, j'imagine. Oui. C'est ça. Oui, donc, comme tout bon bélier qui se respecte, un jour, t'as décidé d'abandonner les études et de te consacrer à la musique. Comment non, ça s'est passé? Non, je continue mes études. Tu continues? Ouais, des études de photographie. D'accord. Je suis en dernière année. Ouais. Je compte avoir mon diplôme. Écoute, on te le souhaite. Donc, je continue. Et est-ce que la musique empiète justement beaucoup sur... Ça n'empiète pas, ça se complète en fait. Les deux se complètent énormément. Et après, c'est un rythme à avoir, c'est assez intense. Mais les deux se complètent, que ce soit dans les inspirations, dans le travail, la création. Ce soir, tu partages l'affiche avec les Naïve Mutants. Ouais. Tu les connais? Ouais. Alors, si tu devais en garder juste un, lequel choisirais-tu? Le chanteur. Voilà, David Bowie avec Margot Avril. Ça pourrait faire une rime, même. Oui, presque. Bon, et puis maintenant que tout le monde s'arrache tes singles, tes albums dans le monde entier, hein, que tu as acquis ce statut de star, donc, est-ce que ça ne te gaffe pas de jouer ce soir devant moins de 500 personnes? Non, je suis ravie d'être dans une ambiance intimiste, de pouvoir rencontrer les gens qui vont faire partie du public et de pouvoir échanger avec eux et les voir. Et justement, est-ce que c'est pas un peu plus flippant de jouer sur une péniche comme ça, donc parmi les gens, parce qu'il y a une proximité qui est quand même vraiment là? Si, c'est très flippant, mais du coup l'adrénaline est encore plus forte et puis l'envie de tout donner ne disparaît pas. Donc voilà. Est-ce que tu as un truc contre le stress, une manière d'appréhender justement les grandes échéances musicales? Juste d'être avec des gens que je connais, que j'apprécie, discuter, pas forcément y penser. Et puis, me dire que ça va aller, que je vais assurer. Tu te mets pas la pression comme dans les études, par exemple, avec un examen à passer, tu vis le moment et c'est que Je me mets la pression, mais j'essaye de garder confiance en moi et de me dire que quoi qu'il arrive, ce sera pas grave. Donc, Écoute, vu ce qui t'est arrivé là en une année, finalement, je pense que tu peux avoir confiance. Justement, tes projets à venir? Là, on termine l'album. Ouais. Sur lequel on a deux collaborations, enfin avec deux artistes que j'adore et que j'admire, donc je suis très heureuse. Des noms? Plus tard. D'accord. c'est un super album, je suis très fière. Et en attendant, on rappelle les singles quand même qui sont sortis. Et le single qui est sorti, L'air de rien. L'air de rien, voilà. Et puis là, tout de suite, surtout, tu vas tout donner en live. Ouais. Tu vas nous enchanter, elle va nous enchanter. Je vais essayer. Ah, merci beaucoup Margot, et bon concert à tous. Oui. Bon concert. Ne m'en veux pas si je danse sur les vagues. C'est la nuit, je m'en vais. C'est la nuit, je m'évade. Ne m'en veux pas si seule, si sans toi je navigue. T'en prie, ne m'en veux pas si je danse sur les toits.